Bonjour, on se retrouve pour une courte vidéo. Donc, dans une autre vidéo, je vous ai montré les produits eh bien, que j'avais testés, les Acrygel donc, du site Amazon, donc, qui venait clairement de Chine. Hein, c'était noté dessus. Voilà, je vous dis d'ailleurs ce que j'en pense dans l'autre vidéo. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Je vous montre voilà, aussi donc, les petites capsules pop-it qui sont avec, extrêmement courbées. Donc voilà, j'adhère moyen. Et donc je me suis dit, ben, je vais enlever ce produit puisque je ne veux pas garder de produits chinois sur moi. D'autant plus que je suis enceinte. Donc voilà, c'est vraiment pas l'objectif pour moi. Je travaille qu'avec des produits hypoallergéniques, vegan, sans acide que vous retrouvez sur le site yournails-international.com. Hein, vous avez le lien juste sous cette vidéo. Et je me suis dit, bon, ben, tant qu'à faire, je vais déjà enlever les produits. Alors autant que je leur montre comment je le fais, tout simplement. Donc je vais allumer ma ponceuse. Alors avant de commencer, j'ai un embout céramique. Donc l'embout céramique, c'est pas mal parce qu'il tient quand même assez longtemps, hein. Il est assez résistant. C'est de la couleur rouge. Donc le rouge, c'est environ grain moyen. Grain moyen, ça veut dire simplement que je vais vous montrer de plus près. Voilà, comme vous pouvez le voir, les petites accroches sont vraiment moyennes. C'est plutôt pas mal. C'est un bon entre-deux, on va dire. Donc moi je vous conseille pas mal le rouge. D'ailleurs vous retrouverez bientôt ces embouts sur le site également, yournails-international.com. Je vais vous sortir plein de nouveautés là pour les prochains temps, toute une gamme de semi-permanents. Il y en aura une soixantaine de couleurs, on va en rentrer régulièrement. Voilà, et ça va vraiment être top, ce sera sous forme de ce packaging là. Donc ça c'est les bases épaisses qui sont vraiment top top top, qui servent à tout, qui servent à la fois en tant que base de semi-permanent, qui servent en tant que base de gel, pas besoin de primer, pas besoin de nail prep. Voilà, c'est une base géniale. Vous pouvez faire le gainage avec, enfin voilà, vous pouvez faire les poses américaines avec. C'est vraiment un produit topissime. Donc voilà, vous les retrouverez aussi donc sur le site. Donc je vais allumer ma ponceuse, je vais la mettre en position 5. Non. Ici. Voire 6. Alors pourquoi je la mets assez fort? Tout simplement parce qu'en fait, plus elle va être à une position faible, et plus elle va vibrer sur l'ongle. Donc en fait, c'est vraiment pas l'objectif de l'avoir trop faible. Voilà. Donc là, je travaille sur ma mauvaise main. Donc je vais bien maintenir mon pouce. Et en fait, je vais... Alors, c'est un peu compliqué de travailler comme ça. Donc je vais travailler vers l'avant. Donc, Par contre, je ne sais pas dans quel sens tourne ma ponceuse, donc je vais vérifier. Je fais doucement vers l'avant. Voilà. Si la ponceuse ne revient pas vers moi, c'est que c'est le bon sens. Si vous voyez qu'il y a un problème, eh bien, il faut tourner, faut changer le sens, hein, simplement. Voilà, donc je vais travailler de l'extérieur vers l'intérieur, mais si jamais vous vous sentez plus à l'aise de travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire du haut vers le bas, c'est possible aussi, hein. Donc là, j'affine déjà le bord libre. Et ce que je vais faire aussi, vu que je ne veux pas garder la longueur, hein, eh bien, on peut... Ça fait pas mal du tout, hein. On va en fait simplement enlever la longueur. Alors je vais le faire comme ça pour mieux vous montrer. Donc faites-le toujours avec le haut du corps, hein. Donc c'est-à-dire que vraiment travailler avec cette partie-là et pas avec l'avant, puisqu'avec l'avant le grain est beaucoup plus fin. L'avant est vraiment fait pour travailler proche des cuticules. Enfin, je vais pas le faire avec trop de précision, hein, je finirai à la lime. Voilà, parce que je veux pas trop attaquer mon ongle naturel. Là, on voit qu'il y a pas mal d'épaisseur. Et donc, on va bien affiner le bord libre. Ah, ça y est, on voit que mon ongle réapparaît. Alléluia. Donc, faites attention avec la ponceuse, hein, quand même. Entraînez-vous énormément sur vous-même, ne passez pas sur cliente,
tant que vous n'êtes pas vraiment au point avec, avec la ponceuse. Hein. Ne faites pas n'importe quoi puisque vous pouvez vraiment faire des trous avec la ponceuse. Hein. Donc moi, ce que je fais, c'est que la ponceuse, je l'utilise toujours pour enlever le plus gros et je finirai toujours, toujours à la lime. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je fais des bandes. Vous voyez, je pars. Hop. Et on reste pas trop longtemps au même endroit. Hein. C'est très, très important. Et si jamais ça chauffe, eh bien tout de suite on enlève la ponceuse. Et surtout, on ne travaille pas la ponceuse, surtout pas avec un embout comme ça, sur l'angle naturel. Hein. Surtout, surtout pas. Donc on voit le travail de la ponceuse également dans la formation de base et perfectionnement, hein, qui est extrêmement complète, où je vous accompagne pendant 6 mois. Et donc ça vous permet vraiment d'avoir un super niveau en fin de formation. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me joindre par téléphone et puis vous trouvez aussi toutes les infos sur le site Your Nails et aussi donc l'accès aux cours gratuits. Aussi, je vous offre une petite formation d'initiation gratuite et j'ai plein de super témoignages de filles qui m'ont dit qu'elles ont déjà appris plein de choses dans cette formation d'initiation alors que voilà, c'était une formation gratuite et puis elles se sont dit voilà, qui ne tente rien à rien, hein, c'est gratuit, je vais tester. Et puis qui m'ont dit ben j'ai passé une semaine en formation, j'ai appris moins que ce que j'ai appris là en quelques heures avec toi. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse. Donc, je finis, comme je vous l'ai dit, à la lime. Alors, quand je travaille sur moi-même, hein, je maintiens bien mon doigt. Et vu que c'est ma mauvaise main, enfin, c'est ma main droite. Donc, du coup, vu que je suis droitière, je travaille avec la main gauche. Eh bien, j'ai tendance à plutôt bouger le doigt et à tourner, en fait, le doigt de cette manière-là. Plutôt qu'à avancer la lime. Ça me demande plus d'effort, en fait, de travailler avec la main gauche. Avec le bras qui va faire des allers-retours, qu'avec finalement mon pouce que je vais bien maintenir avec mon index et donc que je vais venir bouger. Donc là, je préfère tout enlever. Hein. Si vous avez regardé l'autre vidéo, vous avez vu que j'avais une base. Donc pour protéger un peu mon ongle, là je vais carrément faire une vraie dépose, tout simplement parce que je veux vraiment pas du tout qu'il y ait ces produits-là qui restent dessus. Hein. Donc même s'ils étaient protégés, donc mes ongles par ma base, la base, je vous rappelle, c'était celle-ci, donc la Nude. Hein. Je vous la montre. Voilà. Donc il sert vraiment à tout, hein, c'est ce que je vous ai dit avant. D'ailleurs, là, on peut voir, ça fait 3 semaines que je l'ai sur les ongles, 2-3 semaines, et elle n'a pas bougé. Alors, bien sûr, elle n'est pas brillante, hein, j'ai pas mis de finition ou quoi que ce soit dessus. Elle est légèrement noircie sur l'avant, parce que, voilà, j'avais pris un petit produit de teinture et un petit shampoing bleuté. Et donc, du coup, voilà, ça a un tout petit peu d'éteint dessus. Mais en tout cas, vous voyez qu'elle tient super bien. Sans primer, sans nail prep. Vous n'avez pas besoin de vous embêter avec tout ça. Et oui, c'est possible. Moi, j'essaye toujours d'avoir les produits qui tiennent le mieux, qui sont le plus naturel possible. Et avec donc le moins d'étapes possible. Puisque le primer contient des acides. Bon, des primers sans acide, mais c'est quand même pas l'idéal. Et donc, du coup, voilà, moi, je suis un petit peu contre tout ça. Donc, on évite. Voilà, je prends juste encore mon petit carré pour fignoler tout ça. Donc, c'est déjà un vieux carré hein, qui me permet vraiment d'enlever juste les petits stries de la lime. Et on va prendre un petit carré de cellulose. Avec du cleaner, vous retrouvez tout ça sur le site, vous avez le désinfectant aussi, tous les autres gels et comme je vous l'ai dit, bientôt plein de nouveautés. Et voilà, ma dépose est faite, je peux à présent eh bien, refaire une nouvelle pose par-dessus. Alors par contre, ne faites pas la dépose systématiquement, hein. Faites-la uniquement si vous avez des décollements ou des choses comme ça. Ça pareil, on le voit dans la formation puisque vous pourriez attaquer votre ongle naturel. Comme vous pouvez le voir, le mien est très bien, là il est sain, il n'a pas de problème. Il est suffisamment costaud encore hein, malgré le fait que je sois enceinte, ça joue aussi. Beaucoup. D'ailleurs, on parle beaucoup des clientes aussi dans la formation et on leur pose beaucoup de questions sur leur état de santé. On fait vraiment un check-up avec elles avant
de pratiquer. Et ça prouve aussi le professionnalisme et ça donne vraiment envie à vos clientes de revenir. Donc, je vous dis à très, très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi si ces vidéos vous aident et si finalement, vous avez envie de voir d'autres choses. Donc, dites-le moi dans les commentaires et je serai ravie de vous faire d'autres vidéos. Donc, je vous dis à très, très, très bientôt. Et puis, merci de regarder mes vidéos.